Bayonne recevait Brive, un autre concurrent direct, l'Aviron, qui poursuit sa course contre la relégation, à peine ressorti de la zone rouge. Faux pas à domicile, interdit, Bertrand Guillemin. Il semblerait que cet avis de tempête soit prolongé quelques jours de plus sur le Pays Basque. Avis de tempête sur la côte basque, avis de tempête aussi sur Jean Daugé avec un ouragan venu de Brive. Les Brévis sont en déplacement sur la pelouse des Bayonnais. Ils sont venus Gaillard avec Gaillardman, ils sont venus aussi avec leur mascotte. Les deux équipes se livrent habituellement des duels très serrés, des duels où on se parle beaucoup. Illustration parfaite encore avec Arnaud Mella et David Roumieux qui s'étaient beaucoup parlé lors du match aller remporté par les Brévis 17 à 10. Ils se sont encore beaucoup parlé. Entame de match à l'avantage des Bayonnais avec la première envolée de Djoroko Sokon joue depuis 10 minutes et le marchand de sable passe déjà pour Maëli, le 3/4 de Brévis. La rencontre est terminée, il est KO. C'est l'une des rares éclaircies dans cette entame de match assez fermée, assez cadenassée. Il faut s'en remettre encore une fois à Djoroko Sokon pour essayer de trouver la faille. Repositionné au centre, premier petit par-dessus, récupération de Djoroko Sokon, deuxième petit par-dessus, il va marquer Djoroko Sokon. Non, il est devancé dans l'embut par Jean-Baptiste Péjouane qui va ensuite alerter Mafi. Les Brévistes vont s'en sortir. Une action qui ne donnera finalement rien. Monsieur Poit va faire appel à la vidéo. Pourquoi ? Pour savoir si Jean-Baptiste Péjouane a aplati dans son embut, auquel cas ce serait une mêlée à 5 mètres. Oui, il a aplati dans son embut, mais la mêlée à 5 mètres ne donnera rien. On revoit pour le plaisir le geste technique double de Djoroko Sokon. Mais un geste technique finalement pas payé, 0-0 après 20 minutes de jeu. Il faut donc s'en remettre à l'efficacité des buteurs. Et le buteur maison, c'est Martin Bustos Moyano, très efficace contre Clermont lors de la 17e journée. C'est lui qui ouvre après 21 minutes de jeu dans cette première période. Le score, Bayonne mène 3-0. Mais on vous l'a dit, la rencontre est fermée, cadenassée. On se parle beaucoup, beaucoup de mamour entre François Darros et David Roumieux. Beaucoup de dialogue, là encore, entre Arnaud Mella et David Roumieux. On s'aime beaucoup entre Brévistes et Bayonnais. Mais la rencontre est toujours aussi fermée et c'est finalement sur le buzzer de la fin de la première période que Gaëtan Germain va égaliser dans cette rencontre à ses termes. 3-3 entre les deux équipes. Le deuxième acte va démarrer en faveur des Bayonnais. Les Brévistes rendent trop de ballons, notamment en conquête, en touche. Ils ont perdu énormément de ballons. Du coup, des espaces ensuite pour Marvin O'Connor, mais le geste juste finalement n'est pas au rendez-vous. Toujours 3-3. Des occasions, de l'envie du côté de Bayonne qui a énormément de munitions, mais pas de conclusion. Chisol met trop court. Toujours 3-3 entre les deux équipes et on retrouve Martin Bustos Moyano pour finalement donner 3 points d'avance à la 54e minute en faveur de Bayonne. 6-3, une avance de courte durée. Gaëtan Germain réplique immédiatement. 6-6, Brive n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison, mais Brive peut peut-être repartir avec le match nul. Simplement voilà, Martin Bustos Moyano n'est pas en réussite. Du coup, Stéphane Brett entre en jeu et c'est lui qui va libérer les Bayonnais à 9 minutes de la fin de cette rencontre. Une rencontre assez terne, on vous l'a dit, le marchand de sable est passé pour Maëli en tout début de match et il est passé tout au long de la rencontre avec cette victoire finalement bayonnaise 9-6. Tout le monde est content, la victoire pour Bayonne dans la course pour le maintien et le bonus défensif pour les Brévis, mais ce n'était pas le match de l'année.